Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va direction la Suisse, au Diableret, pour 2 jours avec la marque Easy Peasy pour un shooting. Donc ça va être trop cool. Et puis surtout ils annoncent grand beau. Et il y a eu beaucoup de neige qui est tombée là ces derniers jours. Donc c'est trop cool. Donc, je suis du coup à Annemasse, à côté de Genève, où j'attends du coup Kevin, un de mes coachs, lui en freeride. Je vous laisse à toutes, gros bisous. Jour 1, du coup, on s'est préparé, on est allé prendre le petit-déj, on doit faire les affaires et on doit y aller. On s'est levé méga tôt alors qu'on n'avait pas forcément besoin. Du coup, voilà, on se prépare tranquillement, il y a plein de neige, donc ça va être trop cool. J'espère qu'on va quand même pouvoir faire un peu de ski pour s'échauffer, comme ça on va pouvoir profiter un peu de toute cette poudre. Et après, c'est parti pour faire quelques photos et on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous filmer ça le plus possible. On a mal au patoun. Je suis Juliette, je suis chargée de communication chez Easy Peasy, je m'occupe de la pro team. Tu peux me dire, te présenter deux secondes? Attends, ça je me rappelle. Je sais pas comment je m'appelle. C'est Franck, ouais, je m'appelle Franck. Et puis c'est cool quoi la vie. Regardez, c'est pas trop beau. On n'est pas au meilleur endroit du monde. J'ai l'impression d'être en Laponie. Les sapins, c'est trop beau. La prio, c'est Sophie et Nico. Et là, ça serait Nico. Ok, on est beau. T'es prêt? Ouais, mais là il remonte jusqu'à Genève. Là du coup il était trop gentil. Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Je sais pas si j'aurai cette précision avec cette perspective, mais on va essayer. T'es prêt? Ouais. Il a dit ok? Non, non. Ah, il a pas dit ok. Ouais. Un petit pied gauche, puis après le pied droit. 5, 4, 3, 2, 1. Chaud! Ça y est, on a fait la première descente de shooting où du coup on s'arrêtait à chaque fois pour s'attendre et faire quand on trouvait un petit peu de poudre, on faisait un gros slush avec du coup filmer et photographier. Donc ça a été les premiers plans. Puis on s'attendait, on faisait 50 mètres par 50 mètres pour avoir les beaux shots et tout. Donc ça c'est cool, ça a duré longtemps. Et là on est remonté et on va refaire une partie parce qu'il y a un endroit qui est chouette. Sauf que j'ai encore de la montée à faire et je commence à plus en pouvoir. Et mes pieds, je commence à avoir mal aux pieds. Mais bon, il fait grand beau et ça c'est cool, donc on va en profiter. Je dois encore aller tout là-bas. Et j'ai pas envie. Mais j'ai déjà fait tout là-bas. Donc je me dis que il me reste plus grand chose à faire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour le deuxième jour du shooting en Suisse au Diableret. Donc voilà, on s'est levé ce matin à 7h30. En fin de compte, j'en avais pas forcément besoin parce que ils avaient pas besoin de moi ce matin. Ils sont allés faire des shootings d'alpinisme et du coup c'était pas forcément ce qu'ils voulaient pour moi. Je shoot cet après-midi ou en fin de matinée, etc. Donc on va voir. J'attends qu'ils terminent et qu'ils me disent Lou, go, viens. Donc j'ai fait mes affaires et puis du coup là je passe dans le lit, mais réveiller 7h30 alors que ça fait 10 jours que je skate,
je commence à être un peu fatiguée. Mais bon, c'est grave cool et tout. Ah, donc voilà. Et après le shooting, je rentre à la maison, donc on passe à Genève. Et on repart normalement avec mon petit frère vendredi ou jeudi soir en fonction. Dans le sud pour faire les photos, le shooting d'été là-bas. Donc pour les nouveaux produits, dont deux qui vont sortir en juin. Donc ça c'est grave cool. Et puis ce qui est cool, c'est que j'amène mon petit frère dans l'aventure. Donc du coup, ça va être chouette de partager ça avec lui. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Surtout Max, il faut vraiment pas sourire. Tu souris pas. Colle-toi un peu plus, Sophie, colle-toi un peu plus. Souris pas. Je t'ai dit de pas sourire, Max. T'écoutes pas. Max, souris pas. Faut pas que tu regardes devant toi. Faut pas que tu regardes devant toi. Là, on fait les dernières parties du shooting. Et puis après, c'est terminé. On rentre à la maison. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve vendredi 22, il me semble, en direction du sud de la France, à Fréjus, pour terminer le shooting qu'on a à faire avec Easy Peasy. Du coup, ça sera tout le shooting concernant les lunettes de soleil d'été. Donc ça va être chouette. Et en plus, aujourd'hui, je suis accompagnée de mon petit frère, du nain de jardin. Du coup, c'est trop cool de pouvoir faire un shooting et de faire un truc avec lui. Donc voilà, je vous reprends et c'est parti. Tu partais sans moi. On parie 300 000% que quand je vais arriver, elle va accélérer. Putain, j'avais fait un pari que t'allais ravancer, tu vois. Photo stratégique avec un fil électrique devant. Ouais, ça peut faire l'arbre cette photo. Ouais. Quoi, tête d'andouille? Je suis bien. Tu vas sauter? Ça, c'est pas sûr encore. On va voir. Donc là, on se retrouve. On est à Théoul-sur-Mer pour du coup le shooting d'été de sport de Easy Peasy. L'intervention de César Barin, très utile. Du coup, on est dans le sud pour shooter les lunettes de soleil. D'autres qui vont sortir et d'autres qui existent déjà. Donc nous avons celle-ci. Ça c'est grave cool et tout. Et donc ça c'est les nautiques. On est pas bien là. Il y a la mer ici et ici. Moi je dis il y a pire. César, il y a pire. Ils sont partis faire les photos pour le paddle et nous on est plus tard, on est pour le surf et pour le skate. C'est quand même chouette hein. C'est quand même trop cool. Là on a Franck et là on a Sophie. Coucou. On a terminé et là on va être direction Saraf pour shooter du coup tout ce qui est surf. Et hop, let's go! Ça va? On vient de terminer de faire le shoot des longboards, donc ça s'est super bien passé. J'étais qu'avec mon petit frère et là le nain il arrive et là on rentre. Let's go! Ça y est, c'est la fin du shooting, c'était grave cool. On a tout terminé et là on va rentrer à la maison, prendre une bonne douche bien chaude et aller boire la petite bière pour fêter ça. Et demain on repart, on remonte à la maison. Nous sommes arrivés sur le spot pour le vélo de route. C'est trop beau, donc là t'as la mer. Là il y a une deuxième route et tout, le cadre est juste dingue. Ça va être trop cool pour les photos. Par contre du coup, je me suis changée dans la voiture parce que bah...
être en cuissarde avec juste le petit t-shirt, ça va faire froid. Du coup, c'est pas mon matos, c'est celui de quelqu'un d'autre parce que j'étais pas prévue sur ça, donc du coup, j'ai pas pu amener le mien. Du coup, j'ai des petites fleurs, ce qui m'est jamais arrivé d'avoir des fleurs sur mon t-shirt, mais c'est cool. Le vélo, il est top, mais bon, ça après, c'est pour faire des photos, donc ça ira. Et il est vraiment cool. Du coup, voilà. Et là, on va repartir pour finir les photos. C'est pas trop, trop beau. Ah, sur le chausson d'escalade. Et allez! Du coup, ça y est, on a fini le shooting. Ça s'est super bien passé la fin, c'était super cool et tout. Donc du coup, là on est en train de rentrer. Il y a le nain avec moi qui du coup bouffe une glace au mois de janvier. Et franchement, ça vient. Je suis super heureux. Mais bon, il est heureux, qu'est-ce que tu veux y faire?